Le premier livre écrit par le pape François a été présenté ce mardi au Vatican. Un document de 160 pages dans lequel le pape présente sa conception de l'Église et du monde. Le titre en latin sonne comme un programme pour le chef des catholiques, Evangelii Gaudium, en français la joie de l'Évangile. Le pape François suggère des changements, plus de collégialité dans l'Église, plus de souplesse dans l'accès aux sacrements, plus de responsabilité pour les femmes, même s'il se dit opposé à toute ordination des femmes. Comme il l'a témoigné depuis le début de son pontificat, il souhaite une Église plus humble, plus engagée dans la lutte contre les injustices économiques et sociales. Je préfère le risque d'une église accidentée à une église enfermée, écrit-il. A noter que dans ce premier livre, le pape élude plusieurs des questions qui ont fait polémique ces dernières années, comme le préservatif ou la pédophilie.